Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Star Wars Jedi Fallen Order, et aujourd'hui on va donc aller sur Datomir. On va finir le voyage ensemble. On a eu un bel épisode la fois passée. On verra ce que ça donne ici. Là, ce qui est bien, c'est qu'on peut gagner on peut gratter des zones qu'on devra plus recommencer. Oui, Grise. Est-ce qu'il y a encore des cadavres? Non. On n'est plus pourchassé par des cadavres? Ah, bah si. Là, toujours des portes inaccessibles. Là-bas, il y a encore un truc qu'on devrait pouvoir aller voir à un moment. Ok. Ouais, il y a encore plein de choses qu'on doit faire, mais aujourd'hui, on fonce dans le temple. On fera de l'explo un peu plus tard. Ah. Oh. Très bien, donc maintenant, vas-y, pirate. Ça a l'air si facile. Qu'est-ce que c'est, BD? Nouvel émetteur Magus. Ok. Non, je vais pas me soigner ici. Je me soignerai dans le temple. Ok. Bien. Oh. Ça, c'est pas... Ouais, ça me plaît pas. Tu peux m'aider? Un Mandalorien? Regardez. Ça, c'est... Non, c'est l'autre que je vous laisse. C'est trop pour toi. Va falloir t'y mettre du tien.
Aïe. Ok, j'ai battu le chef. Donc un mercenaire apparemment. Voilà. Meurdi vaincu. Par là, besoin de rien, donc on va pouvoir rentrer dans le temple. Et aller plus loin. Se reposer, simplement. On n'a pas les points de compétence, on attendra. Je vais arriver à parler. On attendra d'avoir 3 points. Vas-y. Maître. Tu as eu tort de revenir ici sans arme. J'ai une arme. Tu crois que ce sabre laser fait de toi un Jedi? Non. Être face à vous. Les souvenirs qui m'obsèdent depuis Braca. J'ai décidé de ne plus les fuir. Alors découvrons quel type de mort te réserve ton courage. L'arme que tu tiens est toujours à moi, apprenti. Montre-moi ce que tu as appris. Montre-moi ce dont tu es vraiment capable. Tu as gagné en puissance. Mais tu recours toujours aux mêmes techniques. Je t'ai appris tout ce que tu sais. Impressionnant. Tiens, allez. Est-il la clé? Non. Maître, jamais je n'oublierai. Le passé est devenu une partie de moi. Je serai digne de vous et de votre sacrifice. N'oublie pas, la persévérance te montrera la voie. Bien. C'est quoi, c'est des frères ? Vas-y, tire-moi dessus encore. Ok, c'est pas par ici, par exemple. Un secret ? Nous ne devrions pas être là. C'est un lieu maudit. N'aie pas peur. Tu dois tenir parole. Tu m'as promis de m'apprendre ta magie. Yes.
Tout ça pour quelques échos. C'est bien, on en apprend plus. Mes défuntes sœurs. Cet homme nous a promis notre revanche, à condition que je lui enseigne notre magie. Je regrette. Mais je dois m'allier à Malikos. Oh. Laisse-moi deviner, ça s'est mal passé. Voilà, on a fait le tour. Et on va dans le temple encore plus profondément. Allez, ça a l'air d'être une toute petite fissure, dépêche-toi. Tu as choisi de revenir. C'est brave, mais imprudent. Peut-être. Mérine, c'est ça? Je m'appelle Cal Kestis. Tout ce qu'on t'a raconté sur les Jedi est faux. Si tu le dis, Cal. Malikos dit lui aussi des choses. Daron Malikos a peut-être été un Jedi, mais ce qu'il est devenu... Je n'en ai aucune idée. Mais ce n'est pas parce qu'on porte un sabre laser qu'on est forcément un Jedi. Alors quoi? Ils garantissaient la paix. Et ont été trahis par ceux qu'ils protégeaient. Ils ont été pourchassés par l'Empire et... Je suis peut-être un des derniers Jedi. J'étais une enfant quand ils ont attaqué. Un guerrier de métal qui brandissait ceci s'est précipité sur nous. Et a exterminé mon peuple. Mais ça, je me suis retrouvée seule. Avec les corps. Et Malikos est arrivé. Me promettant ma vengeance. En échange de tous nos plus précieux secrets. Je sais bien ce que ça fait d'avoir tout perdu. Et Malikos a eu tort de s'en servir contre toi. On n'a pas besoin d'être ennemis. Tu en auras besoin. La voilà qui repart. J'observerai. Fichons le camp d'ici. Donc comme je disais, le fameux guerrier de métal. Tu peux encore partir? Je ne peux pas. Il y a des vies en jeu. Quelle vie? Des innocents. Des enfants sensibles à la force qui seront traqués et assassinés. Comme mes sœurs. C'est Grievous, c'est cet événement hein, de... Comment dire, cet événement de guerrier de métal qui attaque les sœurs de la nuit. Je ne suis pas du genre à reculer sur la voie de la connaissance. C'est sûr, c'est dans The Clone Wars, une des... Peut-être c'est la quatrième ou cinquième saison, je sais plus, un truc comme ça. Enfin, je pense qu'il y a que 5 saisons pour le moment, ou bien il y en a 6. Mais c'est dans une des dernières. J'ai évité de tout... de casser toutes les cendres. Il s'est passé quelque chose d'horrible. Un massacre. Ils se sont entretués dans une quête de pouvoir. Non, on peut pas aller là-haut. Oups. Mais bon, je vais pas tuer les statues. Elles sont très jolies. Contre, j'ai l'impression qu'il y, a, il y aurait eu moyen d'aller là-haut. Non. Mais on dirait qu'il y a moyen d'aller là-haut. C'est juste de la déco si ça se trouve, hein, donc... Ok, combat de boss. Cal Kestis. Malikos. Bienvenue. Tu es venu pour t'entraîner? Pourquoi ces ruines t'intéressent-elles au point de risquer ta vie?
Je peux vous retourner la question. Car leur pouvoir est grand. Bien trop grand pour un Jedi. Un pouvoir que je contrôle. Si tu veux, je peux te l'offrir. Vous ne comprenez pas? Le pouvoir n'est pas ce que je recherche. Je veux reconstruire l'ordre. Reconstruire l'ordre Jedi? Tu es un pauvre fou. Il est trop tard! Les Jedi sont morts bien avant la purge. Asphyxiés par leur tradition. Aveuglés par leur gloire passée. Et assourdis par une guerre sans fin. Peut-être bien. Mais il n'est jamais trop tard, Malikos. Nous pouvons apprendre, puisque nous sommes debout. Et nous repentir des erreurs du passé. Les Jedi... ils n'ont plus aucun avenir. Comment peux-tu l'ignorer? Il faut penser au renouveau. Toi et moi. Nous pouvons bâtir autre chose. De bien non. plus grand. Non. Alors Datomir va devenir ton tombeau. Je t'attends. Tes esquives te sauveront pas. Par là, BD. Tu n'es que l'ombre d'un Jedi. Trop lent. Hé, hey, par ici. Tu es faible. C'est qui le faible? J'ai l'esprit vif. Tes esquives te sauveront pas. Tu vois, Padawan, je me concentre. Une. Domine-moi. Je t'attends. BD, ici. Oh. Les esquives ne sauveront pas. Trop lent. Allez, viens ici. Je ne te laisserai aucune chance. Seuls les lâches fuient. Je ne fuis pas. Je t'attends. Tu finiras bien par mourir. Viens, tue-moi si tu l'oses. Ce n'était rien. À l'aide. Ah, tu es rapide. Il est relou. Ah.
Je t'attends. Domine-moi. Tes esquives te sauveront pas. Vise mieux si tu veux vivre. Un autre Steam. On risque de crever. Tu es pitoyable. Tu... J'ai eu tort de croire que tu pourrais m'aider. Meurs minable. Tu n'as ah, une alliée. Aucun droit sur notre magie. Aucun droit sur notre magie. Relève-toi, Cal Kestis. Ton heure n'est pas venue. Ce n'était rien. Un Steam Bene. Tes esquives te sauveront pas. Allez, viens. J'ai besoin d'un Steam BD. On est mort. N'était rien. Voilà. Bon, je peux, j'ai pas le temps, j'ai pas la force à mon avis. Enfin, j'ai plus de force. C'est rien. J'ai appris à faire la moitié du combat. Ça devrait le faire. L'autre moitié, il est un peu plus puissant, donc il est pas content et tout ça. Mais la première moitié, ça passe. Pas mal dur, hein. C'est il faut être motivé pour le faire. Oh, sérieux? C'est compris. Espèce de lâche. Je vais te détruire.
Voilà, bon, heureusement on n'a pas trop à refaire. Donc c'est cool, mais quand même. Et heureusement ils ont eu la bonne idée de, une fois qu'on a passé les cinématiques, en tout cas, certaines on ne doit plus les refaire. Hop. Allez. Je t'attends. Je vais trop vite pour toi. Affronte-moi. Il te protège. Allez, viens. Ce n'était rien. Allez, viens. Tu n'es que l'ombre d'un Jedi. Tes esquives te sauveront pas. Je t'attends. Je t'attends. Et beaucoup trop lent. Allez. Affronte-moi. Domine-moi. Non. Tu n'es que l'ombre d'un Jedi. J'ai survécu à pire. Tu es pitoyable. Arrière, Jedi. Je t'attends. Tes esquives te sauveront pas. Je vais trop vite pour toi. Non, t'inquiète pas. Tu dois le prendre par surprise. Je t'attends. Non, c'est moi qui t'attends. Allez, viens. Tu es faible. Allez. Tu ne me vaincras pas. Je t'attends. Seuls les lâches fuient. Je ne te laisserai aucune chance. Et rapide. BD. À l'aide, BD. Un steam BD. J'ai survécu à pire. Vise mieux si tu veux vivre. Un steam,
rapide. J'ai survécu à pire. Yeah, voilà, on a réussi. Qu'est-ce que c'est? Vous aviez raison, Malikos. Datomir sera votre tombeau. Ouch, ça va faire mal. Laisse-le dans les ténèbres avec ses secrets. Jusqu'à ce qu'il en meure. Pourquoi tu m'as aidé? Pour délivrer Datomir de ce parasite. Parfait. Que fais-tu vraiment ici, Calcestis? Ceux qui ont bâti ce tombeau, les Éphos, ont créé un objet qu'on appelle Astrium. Il ouvre un sanctuaire sur une planète lointaine. Et à l'intérieur se trouve une liste d'enfants sensibles à la Force. Mais l'Empire aussi est à sa recherche. Quel Empire? Eh bien, l'Empire. Celui qui cherche à exterminer les êtres sensibles à la Force pour asseoir sa domination. Alors il arrivera bientôt sur Datomir, comme la guerre avant lui. Je t'aiderai à trouver cet Astrium. Merci. On va se reposer. On va prendre l'arbre de compétences. Et on a 4 points. Alors 4 points, on peut faire 3 ou 2 ou 3. Ouais, de toute façon, on n'a pas grand chose. Ah, c'est 2 plus 2. Ou alors je prends 3. Et ça, ce serait quoi? Ça, ce sera 2 après. Ah, ça, c'est. Je vais prendre celui-là. Pourquoi? Parce que les Steam recherchent la Force. On va pas cracher dessus. Bref, nous, on va se laisser ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je les lirai et y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.